Mes frères et sœurs, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur ce bar. Si vous n'êtes pas abonné, en dessous de cette vidéo, pour vous abonner, activez la cloche et ne manquez plus la sortie de nos prochaines vidéos. Nous avons trois chaînes. Juste en cliquant sur ce bar, vous aurez accès à nos pages d'accueil ou vers nos trois chaînes. Abonnez-vous aussi sur la chaîne et activez la cloche à chaque fois. La disparition de cette star nous a appris beaucoup de choses. La vie est courte, mes frères et sœurs, la vie est courte. La bagarre, l'arrogance, l'orgueil, franchement, toutes les choses qui ne sont pas dignes d'intérêt pour Dieu, franchement, je pense que nous devons les laisser. Aujourd'hui, la disparition de cette star a touché tout le monde, même ceux même que ça ne devait pas toucher. Les leaders des églises ont mis les mains dans la sauce. Ça prouve combien de fois l'être humain est vraiment précieux aux yeux de Dieu. L'homme vraiment est si peu de choses malheureusement. Nous devons nous accrocher au Seigneur-Christ, nous accrocher à Dieu tous les jours de notre vie. Ça ne sert à rien de crier sur les réseaux sociaux, je suis fort, et se taper la poitrine. La vie écoute mes frères et sœurs. Ici, une fan va nous donner son ressenti, comment elle a vécu la chose. Mes frères et sœurs, ça donne à réfléchir. Écoutons-la. J'avais bien envie de commencer à faire les vidéos la semaine passée, mais avec la mort d'Arafat, je ne sais pas vraiment, sa mort m'a fait un choc. J'étais tellement choquée que je ne faisais que penser que la vie n'est rien, quoi, vous savez. Je ne faisais que dire que non, la vie, c'est même c'est quoi. La vie n'est rien, en fait. La vie, ça tient à un bout de fil. Ça m'a vraiment choquée. J'étais un peu découragée de la vie. Comment quelqu'un si jeune peut mourir si tôt avec assez de talent, ça m'a fait vraiment énormément mal. Mais voilà, c'est la vie. Nous tous, nous allons passer par là, qu'on le veuille ou pas, nous allons mourir. Mais vraiment, souvent la façon de mourir, c'est ça quoi. C'est ça, ça fait mal. Ça peut être n'importe qui, hein. Ça peut être moi. Comme certaines personnes aiment bien m'insister dans les commentaires, comme certaines personnes aiment que voir le mauvais des gens, c'est quand les gens meurent, c'est quand la personne n'est plus, que vous appréciez, que vous avez des remords. Oh, pourquoi j'insultais même cette personne? Oh, ça me fait mal. Oh, je n'aurais pas dû l'insulter. Vous avez des remords? C'est comme ça la vie. Moi, je ne dis pas que je suis parfaite, hein. Mais c'est comme ça la vie. Ça fait réfléchir. Ça fait vraiment réfléchir. Et ça fait qu'on se pose des questions. Est-ce que ça vaut même la peine d'avoir les problèmes? Est-ce que ça vaut la peine de faire les problèmes avec son prochain, quoi? Donc, cette mort, comme toutes les morts, hein, parce que voilà, sa mort n'est pas plus spéciale que la mort de ma copine qui est morte il n'y a pas longtemps. Voilà, ça fait aussi mal. Hein. La mort de tout le monde fait mal. Voilà. Donc, toutes les morts font mal. Donc, quand quelqu'un meurt comme ça, quand quelqu'un qui t'est cher, quand quelqu'un avec qui... vraiment, et en plus jeune, quand quelqu'un meurt comme ça, ça te fait réfléchir. Tu réfléchis, tu te demandes à quoi sert la vie, à quoi sert la méchanceté. Tu te poses beaucoup de questions. Mais, vous savez ce qui est intéressant dans la vie? C'est que à l'instant où la personne meurt, on se pose beaucoup de questions. Mais il y a quelque chose qu'on appelle l'oubli. Oui. Il y a quelque chose qu'on appelle l'oubli. Le mois prochain, après le décembre, quand les gens sont en train de fêter une nouvelle année là, on va tous oublier. Hein? Tout le monde va passer à autre chose. Les méchants vont commencer à être méchants. Ils vont oublier ce qu'ils pensaient aujourd'hui. Hein? Ouais, la vie là, pourquoi être méchant? Pourquoi être ceci? Pourquoi être cela? Ah ah, ils vont oublier tout ça. Hein? Voilà, ils vont rentrer encore dans la mer. Il suffit que quelqu'un meure pour réveiller les gens, pour dire que non, la vie, on doit s'aimer, on doit faire ceci. Pour la période de temps,
Mais un mois, deux mois après, oui, tout le monde a oublié. Et les gens recommencent dans la même bêtise. Donc, c'est ça, hein, c'est la réalité de la vie. Anyway, moi, je parlais de mes vidéos. Maintenant. Ma, vous avez entendu ça? C'est que la vie n'est pas faux. Les gens sont en train de crier, sont en train de pleurer. Ah, c'est comme ça. Ah, nous allons réfléchir. Nous allons faire ceci. Mais une fois que ce serait passé, les gens vont retomber encore dans la même bêtise. Et les gens vont commencer à dire, mais à qui sera le prochain? La question que les gens se posent à ce moment-là, c'est qui sera le prochain? Il y a même d'autres personnes qui ont commencé à faire des révélations pour dire le nom des prochains. Ah! C'est pas de la place, pas de la frime. Que ceux qui sont intelligents retiennent tout ce que nous avons appris ensemble sur la disparition de ces stars. Comment la vie est courte. Comment nous devons faire attention. Comment nous devons prier même avant de sortir de nos maisons, c'est important. Comment nous devons avoir la bénédiction de Dieu dans tout ce que nous faisons. Comment nous devons avoir la bénédiction de nos parents dans tout ce que nous sommes en train de faire. Comment nous ne devons pas entrer dans les pratiques occultes, dans les forces ténébreuses. Comment nous devons tout mettre en œuvre pour nous choisir des amis. Comment nous devons tout faire pour ne pas avoir affaire à l'alcool. Comment nous devons tout faire pour être sur le droit chemin, respecter toutes les recommandations de Dieu et avoir longue vie. Mes frères et sœurs, le jeune Beto, à quel âge est-il parti? À 33 ans. 33 ans, ce n'est rien. Ah! On dit l'homme vivant jusqu'à 120 ans. 120 ans, calculez. Calculez. Enlevez juste 20 même dans 33, il reste combien? Il reste 13. Mais dans les 100 là, enlevez encore 13 dedans, enlevez 10. Quand vous enlevez 10, il reste 90. 90, vous enlevez 3, il reste combien? 87. Donc il avait 87 ans à vivre encore. Mais regardez comment ça nous a tous surpris. Sans doute lui-même, il a été surpris. Qui veut mourir? Personne ne veut mourir. L'enterrement, on nous dit que c'est du 30 au 31. Peut-être ça va aller jusqu'au 1er. Nous allons entrer en septembre. Les gens vont pleurer la première semaine. La deuxième semaine, on dit, ah, donc c'est vrai tout ce qu'on a en train de voir. La troisième semaine, la quatrième semaine, les semaines vont se couler. Le mois va se passer, deuxième mois, l'autre mois va venir, après l'autre mois. Mais dès que nous allons entrer dans la nouvelle année 2020, les gens vont fêter, ils vont se réjouir et ils risquent même d'oublier ce qui s'est passé. Mes frères et sœurs, n'oubliez pas que la vie est courte et que nous devons faire très attention à nos gestes, à nos actions. Même si elle est sorcière autour de nous, ne leur donnons pas l'occasion de nous faire du mal. Concentrez-vous sur l'essentiel. Tout le monde ne peut pas vous aimer. Dans la vie, vous ne pouvez pas être aimé par tout le monde. Même vos amis, à un moment donné, peuvent devenir vos ennemis. Mettez-vous une chose dans la tête. Vous n'êtes pas venu sur la terre pour faire plaisir à quelqu'un. Cherchez à faire plaisir à Dieu seul. Et que le Seigneur Jésus-Christ soit votre compagnon, votre ami, votre conseiller. Si vous avez ça dans votre tête, vous n'allez pas vous laisser avoir par les frustrations venant des gens qui vous entourent. Apprenons-nous à nous aimer vivants. Ça, c'est un conseil qu'on a découvert de cette affaire. À quoi servirait maintenant les dons que les gens se sont donnés? Vous devez partager cette vidéo. Il faut que les gens se réveillent et fassent plus attention à leur vie. Bon courage à tous ses fans. Bon courage aussi à toute sa famille. Et soyez prêts pour la prochaine vidéo. Partagez cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne. C'est parti.